Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous annoncer en fait la sortie de mon deuxième livre qui s'intitule Comment parier sur la Coupe du Monde 2018. Je vous le montre, voilà. C'est aux mêmes éditions que mon premier livre, Comment vaincre la chance. C'est chez Amazon. Pourquoi je publie mes livres chez Amazon? Tout simplement parce qu'on a plus de liberté avec eux que chez un éditeur classique. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un livre sur, forcément, la Coupe du Monde, comme le nom l'indique. Il fait à peu près une centaine de pages. Donc, rien à voir avec le premier livre que j'avais fait. Donc, à l'intérieur, de quoi je parle? Je fais, il y a quelques pages, pour ceux qui commencent vraiment dans les paris sportifs, je vous plante un petit peu, pardon, le décor. Voilà, ça fait que quelques pages pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, ça fait une petite piqûre de rappel. C'est jamais perdu, on va dire. Donc, ensuite, j'attaque le vif du sujet avec quel type de paris prendre et quel type de paris éviter lors de cette compétition. Voilà, c'est un petit peu différent des championnats traditionnels. Après, je vous fais aussi une analyse sur les différents groupes de la Coupe du Monde. Voilà, ça, je vous donne des paris, ça peut aussi vous donner quelques pistes pour vous d'analyse. Je parle aussi un petit peu de la gestion de bankroll pour cette Coupe du Monde. Alors, si vous avez un capital, une bankroll aujourd'hui dédiée aux paris sportifs, prenez-en un petit morceau, si vous voulez, pour poursuivre cette Coupe du Monde. Voilà, surtout ne dilapidez pas tout ce que vous avez peut-être gagné durant un an, durement gagné. Lors de cet événement qui va durer 3 semaines, parce que voilà, il arrive souvent qu'il y ait des surprises et c'est pas forcément un événement facile pour parier dessus. Et puis j'ai aussi fait intervenir quelqu'un, Benjamin alias Vieri, pardon, aujourd'hui que certains connaissent, qui conserve une certaine réputation dans les paris sportifs. C'est un spécialiste football. Il vous raconte un petit peu son histoire. Toujours très intéressant de voir un petit peu les histoires aujourd'hui des parieurs sportifs, des parieurs pros. Voilà, et je vous ai une petite surprise à la fin du livre aussi, pardon, pour que vous puissiez rejoindre une équipe aussi de parieurs confirmés. Mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça à la fin du livre. Donc voilà, chez Amazon, je vous mets un lien sous la vidéo. Si vous voulez, il est à 7,90 €. Voilà, c'est un petit livre, ça ne va pas vous ruiner, vous pouvez apprendre des choses intéressantes. C'est aussi valable, pas forcément que pour cette Coupe du Monde-là, enfin si les analyses pour cette Coupe du Monde forcément, mais après les grands événements comme l'Euro et puis les autres Coupes du Monde, vous pourrez réappliquer en fait aujourd'hui ce qu'il y a dans ce bouquin. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt et surtout je vous dis de passer une bonne Coupe du Monde. Et puis si vous pariez sur la Coupe du Monde, surtout, pariez intelligemment, réfléchissez bien avant de cliquer sur le bouton pour miser. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous!